Bon après-midi. Alors, on est ensemble en direct pour parler de routine de golf. Alors, je vous avais lancé hier dans l'annonce de mon direct, de mon live, la question que je vous posais, c'est quelle importance est-ce que vous apportez à votre routine? Est-ce que vous en avez une en premier lieu? Est-ce que vous avez une routine de golf? Alors, c'est ce que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Alors, je vous invite à mettre vos commentaires, à partager évidemment ce qu'il en est pour vous. Faites-moi un j'aime à mesure qu'on avancera dans notre discussion, savoir si ça convient ou si comment vous aimez notre contenu. Puis évidemment, dans mes prochains directs, mes prochains lives que je ferai, je suis toujours à l'écoute de vos demandes, de vos commentaires. Donc, si vous avez des commentaires à me faire, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Alors, je vois un premier commentaire qui rentre. Alors, Madame Denis, alors, est-ce que je suis capable de tout lire? Me regarde. Non, j'ai pas de commentaire encore. Donc, alors, je débute déjà parce que une routine, est-ce qu'on peut voir ça un peu négativement? Est-ce que pour nous, c'est comme routine serait synonyme un peu d'ennui? Alors, est-ce que de toujours faire la même chose, ça peut nous ennuyer? C'est sûr que dans un sport, je vous dirais que, et ça, les spécialistes pourront vous le confirmer, mais on a intérêt à avoir une routine, à se placer d'une certaine façon, à avoir des ancrages qui font qu'on va être capable de reproduire certains mouvements. Si vous avez été avec moi, avec des nôtres, lors des derniers lives que j'ai fait, on a parlé de neuroplasticité. Alors, un grand terme, mais qui veut dire qu'on devient ce qu'on pratique. Alors, si on met en place des mouvements, des façons de faire qu'on sait qui nous réussissent, parce qu'on a chacun notre méthode, bien, à ce moment-là, quand on revient devant la balle, quand on refait les mêmes mouvements, bien, notre cerveau, lui, a analysé un chemin qu'on appelle un chemin neurologique, un chemin neuronal, qui fait que notre corps se souvient. Alors, je prenais l'exemple de quand on joue au piano, les premières fois, c'est ardu, on n'a pas les bonnes notes de musique, on joue à la guitare, ça ne sonne pas comme on voudrait que ça sonne, mais à mesure qu'on répète, que la pratique s'y met, bien, à ce moment-là, on devient avec une fluidité, une aisance à jouer de la musique, et évidemment, on aura une aisance à jouer au golf. Mais vous serez d'accord avec moi que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, les professionnels de golf sont là pour réexaminer comment on joue. Bon, des fois, on a des amis qui nous disent « fais pas ci, fais pas ça », mais des fois, sur le terrain de golf, c'est pas toujours le meilleur moment pour se mettre à changer des choses. Et encore là, c'est mieux d'avoir l'avis d'un professionnel qui est vraiment va être capable d'analyser vos restrictions. Et moi, en tant que chiropraticienne, donc d'abord, laissez-moi aussi me présenter. Je suis docteur Dominique Dufour, chiropraticienne depuis 40 ans, passionnée de santé et aussi passionnée de golf. Je ne joue pas au golf depuis 40 ans, je dirais malheureusement, parce que j'imagine que mes résultats seraient différents de ce qu'ils sont actuellement, mais quand même passionnée de golf et je suis aussi certifiée de l'Institut de performance Titleist, ce qui me permet de faire un examen pointu sur vos différentes capacités en fonction des mouvements de golf et de vous prescrire traitement ou exercice selon évidemment votre situation, ce qui va vous aider à mieux évidemment faire un élan de golf plus performant. Alors quand on revient à la routine, je vous dirais que moi j'en ai une et ça m'a été enseigné par un professionnel de golf de la région de Québec, M. Christian Turbide. D'ailleurs, si vous aimeriez recevoir son webinaire, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo. Et dans ce webinaire, c'est un webinaire que j'ai eu le plaisir d'animer, de co-animer avec lui. Et il nous partage sa routine. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai appris de Christian. Et je suis certaine que si vous posez la question à votre professionnel de golf, vous lui demandez conseil, savoir qu'est-ce qu'il vous conseille quand vous arrivez devant votre balle, qu'est-ce que vous devriez faire? Bon, autre évidemment que le mouvement pour frapper la balle, mais on arrive devant la balle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de penser à la livre de beurre qu'on devrait acheter ou est-ce qu'on arrête de penser qu'il faut passer au garage ici et là? Bien là, on voit que le focus n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider à être ici et maintenant devant notre balle? Alors, il y a différentes choses. Alors, je vais juste voir si j'ai peut-être quelques commentaires. Je m'approche. Je n'en lis pas pour l'instant. Je vois Solange qui nous regarde. Bonjour Solange, je te salue. Madame Denis aussi, Monsieur Girard, ça fait plaisir de vous avoir avec moi. Alors, ce que Christian, moi, m'a enseigné, premièrement, quand on est rendu devant une balle, la balle
qu'on vient de frapper, qu'elle nous plaise ou non, parce qu'on peut être dans l'euphorie comme dans la déception, bien, c'est le moment passé et c'est la balle qui est là qui est la plus importante. Alors, lui, il y a une façon de faire, et vous l'entendrez dans le webinaire, mais il y a une chose aussi qui m'a appris, que l'expérience m'a appris aussi, c'est que c'est d'arriver plus tôt sur le terrain de golf. Alors, c'est sûr que si on arrive, on est en tourné le coin de la rue sur deux roues, comme on dit, parce qu'on était en retard, puis on arrive pour frapper notre balle, puis on est déjà encore stressé puis essoufflé parce qu'on a couru pour arriver sur le terrain de golf, mais c'est sûr que ça n'avait pas une routine gagnante. Et d'ailleurs, j'ai en mémoire une de mes bonnes amies avec qui on joue au golf, à chaque semaine, ou pratiquement à chaque semaine, et on avait décidé qu'on jouait en fin d'après-midi, donc on quittait le travail, puis une fois qu'on quittait le travail, on disait « on va aller jouer au golf ». Et bien, mon amie, elle arrivait toujours pris dans le trafic un peu, puis partir un peu plus serré du bureau. Puis elle arrivait vraiment, ce qu'elle disait, quasiment sur deux roues, sur sa voiture. On avait presque déjà été appelé pour jouer, il restait 5 minutes. Puis elle arrivait en talon haut, puis elle allait se changer. Alors, imaginez qu'évidemment, elle n'avait pas évidemment frappé de balle avant. Pas eu le temps de respirer, de se détendre. Alors, vous imaginez ses premiers coups de golf n'étaient pas ce qu'elle espérait. Puis évidemment, ça stresse encore plus. Alors, vous voyez, évidemment, le reste de l'histoire, ça prend un certain temps avant de se calmer. Donc, dans la routine, bien, c'est se dire, si je joue à 5 heures cet après-midi, bien, je vais arriver à, selon votre choix, je vais arriver à 4 heures, je vais aller frapper des balles, le temps de parler avec ses partenaires de golf, donc le temps de laisser, comme on dit, l'ascenseur redescendre et de se calmer, surtout si on arrive du travail. Donc, le temps de faire un peu le vide et de rire un peu, puis se mettre dans l'atmosphère heureuse et heureux d'être sur un terrain de golf. Donc, d'arriver à temps, ça faisait partie de la routine que Christian nous suggère, pas à temps, mais même assez tôt pour se détendre. Et moi, c'est quelque chose que je trouve qui fait toute la différence. S'échauffer, bien, frapper quelques balles, c'est sûr, est-ce qu'on va se prendre un gros panier de balles juste avant de jouer? Lui, ce que Christian conseille, c'est de prendre quelques bâtons, même sans balles, ça serait plus pratique, sans balles, de juste frapper, puis de vraiment aller réintégrer le mouvement. Si on se souvient du chemin neurologique, du chemin neuronal, bien à ce moment-là, notre corps va commencer à se remettre déjà dans ce qu'on va vouloir faire et répéter sur le terrain de golf. Donc, installer une routine. Et ici, j'ai une dame je reviendrai dans une autre vidéo qui me parlait évidemment des tendinites, là, des épicondylites de golfeurs. C'est sûr que si on tient notre bâton hyper serré, bien, ça pourrait faire partie de notre routine de dire, bon, je suis devant ma balle, j'ai ma prise, j'ai la prise que je veux prendre. Est-ce que je tiens mon bâton serré? Je peux déjà à chaque coup me dire, bien, j'ai les mains détendues, j'ai les bras détendus. Alors, ça peut faire partie, vous, des choses qui vous aident. Je disais, je crois que c'est hier, que la définition de la folie d'Albert Einstein, c'est de répéter toujours les mêmes choses en espérant d'avoir un résultat différent. Alors peut-être que votre routine actuelle, elle est excellente, puis vous avez les résultats que vous voulez, mais si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, bien, il y a quelque chose à changer. Ça peut être comme vous avez appris un cours de golf, votre pro de golf est capable de vous dire qu'est-ce qui était amélioré, il faut l'avoir pratiqué. Mais dans votre routine, on peut faire des essais aussi. Peut-être vous dire, bien, peut-être que justement, je pourrais peut-être ajouter de détendre mes bras. Puis on s'aperçoit que quand on rajoute ça dans sa routine, ça fonctionne mieux. Donc, c'est des essais et erreurs. Si on s'aperçoit, ça peut être de prendre une respiration, d'arrêter de penser à la balle qu'on vient de frapper. Et là, j'ouvre une parenthèse dans une formation. Je ne me souviens pas quelle était la formation, mais je pense que c'était au niveau de la visualisation. Mais on nous disait, puis c'était un conducteur de Formule 1, quoi, quelqu'un qui travaillait dans le domaine, pas nécessairement un conducteur de Formule 1, mais dans le domaine de la course automobile. Puis il disait que quand on conduit, puis on sait la vitesse où ils vont, mais quand on peut des fois aller louer des voitures puis sur des pistes de course, aller se mettre un peu dans l'énergie de conduire une voiture de haut niveau, de haute vitesse, il disait que si on a un tournant puis qu'on voit un mur de pierre, puis on dit, OK, je ne veux pas aller dans le mur de pierre, bien, c'est notre cerveau, il ne comprend pas la négation. Alors, votre cerveau, lui, ce qu'il comprend, c'est que vous voulez aller dans le mur de pierre. Donc, c'est sûr que dans notre routine de golf, si on se dit, bien, je ne veux pas frapper comme la dernière balle, bien, votre cerveau, lui, ce qu'il comprend, c'est que vous voulez frapper comme la dernière balle. Donc, de penser aussi dans le positif, dans l'affirmatif. Donc, dire ce qu'on veut, de le dire à notre corps aussi mentalement, je crois que c'est quelque chose qui peut aider.
Donc, somme toute, est-ce que j'ai quelques commentaires? Est-ce qu'on a des... Bonjour, Monsieur Perrault, je vois que vous êtes avec nous. Alors, vous avez des commentaires à me laisser? Est-ce que vous avez une routine, vous, qui... Est-ce que vous en avez une? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris d'un pro de golf ou avec des conseils d'autres personnes? Alors, ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Je voudrais dans une routine aussi, moi que j'aime bien, c'est ma routine, j'appelle ça santé. Moi, j'aime bien les acronymes. Donc, le S-A-N-T-E. Donc, le S, pour moi, c'est le système nerveux. Alors, c'est sûr que je suis chiropraticienne. L'objectif de mes soins à la clinique, c'est d'aider le système nerveux à mieux fonctionner. Mais le système nerveux aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour détendre? Bien, moi, c'est de respirer. Donc, dans ma routine, avant de frapper, je prends une respiration qui va déjà, quand on prend de bonnes inspirations, ça va diminuer le taux de cortisol dans votre corps. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Alors, d'être moins stressé, je pense qu'on sera tous d'accord que ça aide à mieux jouer au golf. Donc, pour moi, de prendre une bonne respiration, ça détend mon corps, ça détend mes bras. Donc, je n'arrive pas à frapper avec mon bâton. Je n'arrive pas pour hyper tendu là, pour frapper ma balle. Donc, ça, c'est un de mes trucs. Le A, bien, c'est pour l'attitude mentale. Encore là, comme je disais, c'est de penser dans l'affirmatif, qu'est-ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut pas. Et pour moi, c'est le A, c'est l'attitude. Alors, pour moi, l'attitude que j'ai va déterminer l'altitude de ma balle. Alors, je me souviens toujours ça. Ton attitude, Dominique, c'est ce qui va déterminer l'altitude de ta balle. Le N, c'est pour la nutrition. Alors, les choses qui me nourrissent, c'est sûr que je suis pas du type à prendre une barre de chocolat sur le terrain de golf parce que c'est du sucre rapide. Et je ne suis pas diététicienne ou spécialiste en diététique, mais pour moi, c'est quelque chose qui, sur le coup, peut me donner de l'énergie, mais après ça, j'ai comme une baisse d'énergie. Donc, j'aime mieux avoir, moi, j'aime bien le lait de soya au chocolat. Donc, il y a du sucre dedans, mais il y a des protéines. Donc, c'est quelque chose, moi, qui est plus nourrissant pour moi. Alors, ça peut être des boissons aussi qui contiennent, bon, des minéraux. Alors, encore là, c'est à vous de faire des choix. Ça peut être bon de lire là-dessus au niveau, même dans les lectures. Des bons livres sur la nutrition et le sport. Donc, d'avoir des aliments qui ne vont pas, qui vont vous donner le carburant immédiatement et pas de la nourriture qui fait que vous allez avoir l'énergie qui va arriver trop loin durant vos 18 trous de golf ou vos 9 trous le cas échéant. Donc, l'alimentation, le SAN, donc le N pour la nutrition. Le T, ben, c'est le temps de repos. Donc, ce que Christian m'enseignait, c'est que la balle, elle est là. On prend le temps, même le temps de repos aussi, quand on va frapper des balles, un panier de balles, ben c'est pas un racket, c'est pas une après l'autre, boum, boum, boum. Des fois, c'est juste d'avoir 4-5 balles, mais de prendre le temps de prendre sa position, de reprendre sa routine, même si on est sur un champ de pratique, et d'intégrer. Donc, pour moi, Donc, le T, le temps de repos, c'est de prendre le temps. Évidemment, si on est sur le terrain de golf, on ne peut pas prendre 5 minutes. Il y a des golfeurs qui attendent, mais quand même, de ne pas frapper rapidement. Et le E qui est pour les exercices. Alors, c'est sûr que d'ailleurs, dans les exercices, encore là, je vous encourage à cliquer sur le lien en haut de la vidéo, des exercices pour avoir une mise en forme. Donc, il y a des exercices avec le bâton, mais à la maison aussi, c'est ce que je vous enseignerai que je vous partagerai du moins dans mes infolettres, dans mes courriels réguliers, des exercices spécifiques pour le golf pour aider à la mobilité de l'épaule, pour aider à la stabilité du bas de dos. Les chevilles, les poignets, les coudes, tout va y passer. Et vous aurez donc des vidéos que je vous enverrai périodiquement pour vous aider à avoir un golf plus performant dans le plaisir, mais surtout pour aider à avoir plus de fluidité dans votre élan de golf. Et évidemment, comme je vous disais, je ne suis pas professionnelle de golf, ce n'est pas mon rôle. Il y a des excellents professionnels dans toute la province. Et moi, je me mets profession et moi je suis pro de la colonne vertébrale et du système nerveux et du système musculaire. Donc, ce sera mon rôle de vous enseigner ce qui, je crois, va vous aider à avoir un élan plus performant. Et votre professionnel saura sûrement vous dire, bon, il me semble que tu es plus mobile, c'est plus fluide, donc ça pourra vous aider. Alors, je vois peut-être d'autres. Ah, Monsieur Perrault dit, je cherche le lien. Oui, c'est. Normalement, lorsque. Alors, vous me posez une bonne question. Normalement, lorsque le direct est terminé, vous allez avoir au-dessus de la vidéo le lien. Je vous le dis quand même rapidement, c'est https://2.2/
chiropratiquedufour.com. Une autre barre, c'est un peu long, infolette-golfeur au pluriel. Je pense que c'est trop long. On oublie ça, M. Perrault. Je pourrais vous l'envoyer. Je pense que j'ai le lien pour vous l'envoyer. Mais c'est au-dessus de la vidéo. Une fois que le direct est terminé, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Et autrement, si vous allez sur mon site web, donc chiropratiquedufour.com, ça c'est moins difficile que le long texte que je vous ai donné il y a quelques minutes. Donc, chiropratiquedufour.com. Si vous allez sur l'onglet qui est la thématique golfeur sur mon site web, vous allez avoir ce qu'on appelle un pop-up qui vous invite à vous inscrire encore là au courriel hebdomadaire à l'infolettre. Alors, mais si vous avez discuté, M. Perrault, envoyez-moi un message et je vais vous le redonner sans problème. Alors, merci de votre question. Alors, routine, alors je pense que c'est important d'en avoir une, c'est la vôtre. Vous avez sûrement développé certaines techniques. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, de faire des essais-erreurs, pour finir par trouver ce qui nous convient. Et demandez à votre professionnel de golf, il saura sûrement vous donner de bons trucs, des choses à faire pour être dans le moment présent lorsqu'on a frappé notre balle, dans quel état d'être qu'on devrait être pour pouvoir avoir une balle. On a le physique, on veut avoir la technique, mais dans quel état mental on se présente devant notre balle, je pense que ça fait toute la différence. Je regarde si j'ai d'autres... M. Perrault, merci. M. Perrault me souhaite un bon anniversaire. Bien oui, c'est ma fête aujourd'hui. Alors, c'est toujours des moments précieux, puis je suis contente de le partager avec vous. Alors, ce soir, on aura un bon souper pour fêter tout ça après notre direct ensemble. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je ne serai pas avec vous demain, jeudi. On va revenir vendredi, mais je vous envoie toujours déjà une petite annonce là, pour vous dire à quelle heure et à quel moment. Et on parlera... Oh, je vous garde le secret. Je vous le dis pas tout de suite. On vous verra sur laquelle dimension on va aborder notre prochain direct. Si vous avez des questions, des commentaires, je pourrai aller les relire même en rediffusion. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Préparez votre routine pour l'été prochain, pour avoir un golf encore plus performant, pour avoir le plaisir. Et ça nous... Quand on a une routine, déjà, on est bien installé, ça nous détend. Et le golf ne peut être que meilleur. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.